même si... On peut monter un peu le son du retour, s'il vous plaît. La musique. Je suis descendue du train, Paris au petit matin. C'est une répétition, personne n'est bon, même moi. Ah oui, c'est vous dire. À aucun moment faut montrer au public que tu doutes, ou que tu stresses, ou que tu as une hésitation. 87 ans, il va chanter a cappella. Il a un petit peu mal à la gorge, m'a-t-il dit, alors il mange des pastilles à la menthe. Gitane, dis-moi, sans détour, s'il faut croire. J'avais des copains qui me disaient, mais tu devrais aller chanter, puis voilà quoi. Et puis c'est vrai, dommage, c'est un peu tard peut-être. Enfin, j'ai commencé plus tard, mais enfin, écoutez, dans la vie, il faut... Il y a les aléas de la vie. Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si j'étais là? J'avais mon oncle qui me suivait chaque année dans mes concours Radio Crochet. Et je l'ai perdu en août. Et donc je lui rends hommage pour parce que cette année, c'est la première fois qu'il ne sera pas là. Parti en plus chantant, je passe en première alors. Deux femmes qui se tiennent, ça n'a rien qui peut gêner l'amour. Là où le. Donc c'est la dernière fois ou c'est pas la dernière fois? Non, l'année prochaine, mais si la santé le permet, je vais passer dans le volume. D'accord. Allez, merci Germain. Bonsoir. Septième candidat, 18, 19. Pour le jury, on est tous différents. Hein. Ça se voit d'ailleurs dans l'énumération des notes, ça bouge beaucoup, mais c'est ce qui représente aussi un public. Et c'est Ève Montferrier, lettre à France de Pomarais. La différence, c'est ce silence parfois.